Donc, pour Zongi, on a fait Kisangani 7 ans après. Nous sommes partis à Kisangani 7 ans après. Et toi, Pélongo, on a tamboli notre disciple, frère Jonas. Nous sommes avec le disciple, frère Jonas. Et puis, le frère Marcel Mbayo. Ainsi que le frère Marcel Mbayo. La semaine avant, on a toujours notre équipe et la malade pour. Équipe aussi va prendre le meilleur travail. Vous allez marcher avec l'équipe pour qu'ils apprennent aussi la manière de travailler. Je bénis les serviteurs de Dieu à cause de la grande œuvre qu'ils sont en train de faire. Sache que toi aussi, en entrant dans la parole, c'est une grande chose. C'est déjà une grande bénédiction pour toi. Le peuple qui se réjouit de la vérité. Mais je vais parler un tout petit peu, à peu près 4 à 5 minutes. Parce que tu dois saluer presque l'Ibota et Zamounène et Abassante dans la Kisangani. Parce que nous saluons tout le monde, la famille est tellement grande à Kisangani. On a besoin pour saluer Bango, pour qu'on appelle pas Bango. Et tous les frères aussi ont besoin que nous puissions parvenir à eux. Notre salutation, notre exhortation, nous sommes ok. Notre petite exhortation. Je vais procéder à une question pour donner directement la réponse. Ce qui va poser une question. Si on te posait la question. Maï, oyo yo, à Noé, Bobaki Mokili. Le saut qui du temps de Noé avait détruit la terre. Et Utaki Wapi. D'où provenait-elle? Il faut que tu aies la base de l'écriture pour chaque chose. Réponds que ces eaux-là provenaient de deux endroits. Ces eaux-là provenaient de Dieu. Et elles provenaient aussi de sources de la Bible. Si on te demandait l'écriture, voici Genèse 7, verset 11. Dans Genèse 7, le verset 11. Le Seigneur a formulé qui m'a dit à Nicolo. Le Seigneur avait ouvert les écluses de Dieu. A formulé qui peut babine. Il avait aussi ouvert les sources de la Bible. Donc il y a deux groupes yamai ne qui t'a qui est nassé. Il y avait deux groupes, d'autres venaient du ciel et d'autres venaient de la Bible pour détruire la terre. Après, et après cela, ce qui m'a tourné aussi, si on t'interroge encore, dit Kamboya Kobona Colombe Zanegeni. Comment le mouvement du corbeau et de la colombe pour répondre, oui. Tu vas répondre ceci. Tomoni Colombe. Accueilli deux fois, troisième fois, qu'est-ce qu'il y a? On a vu la colombe qui est sortie deux fois et pour la troisième fois, elle est allée pour ne plus revenir. Mais tout le monde est corbeau à Zalaki Kokende Kozonga Tangonyonso. Mais on a vu le corbeau allant, revenant et à tout temps. L'écriture est lobby. L'écriture dit Titango Mabele et Kaokaki. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il y a un moment dans le temps, verset 9. Et c'est ce que je lis au verset 9. Genèse 8. Genèse chapitre 8. Toujours verset 7 plutôt. Il lâcha les corbeaux. Atika ki ebenga. Qui sortit. Yanganga kenda. Partant et revenant. Asala ki kokenda pe kozo. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Kino tango ete mama e kauka ki na mabele. Donc corbeau atika marche na ete. Donc le corbeau n'avait pas cessé sa marche. Atata. Même lorsque tu as vu la colombe être riche, il y avait aussi le corbeau qui était parti. Amen. Simba malam. Saisis bien. Lorsque tu vois la colombe être riche, même si on n'a pas fait mention du corbeau dans ce mouvement, les corbeaux. Verset 9 de Simba. C'est quel verset? Verset 7. Le verset 7.
Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Jusqu'à la fin. Oh. Le corbeau faisait toujours de va-et-vient. Attends, moi, il m'a présenté colonne. Même si on te présente la colonne. Pour moi, ça n'a il y a le corbeau dans le mouvement même de la colonne. Parce que total isakake, la colonne c'est Jésus-Christ. Parce que nous montrons que la colonne c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit que Moïse n'était pas. Et personne ne dira que lorsque Jésus est venu, Moïse n'était pas là. Et dans Matthieu 17, on voit qu'il y a Moïse. D'ailleurs, dans Matthieu 17, il y avait Moïse avec lui. Personne ne va ôter Moïse de l'église. Parce que pour résoudre un problème, on utilisera la loi. On va utiliser la loi de Moïse. Deux ou trois témoins. Paul n'avait pas Moïse. Paul l'avait eu là-bas chez Moïse. C'est ça, les corbeaux allaient toujours revenir. Il y a toujours. 1 Corinthiens 11, verset 32. 1 Corinthiens 11, 32 dit ceci. Dieu nous juge maintenant. Afin que nous allons juger avec les morts. C'est comme 1 Pierre 4, 17 et le 1. C'est comme 1 Pierre 4, 17 et le 1. Le jugement va commencer à l'église. Et samedi, c'est les gens bananés, l'église à la boîte. Le jugement là, c'est les corbeaux. Et ce jugement là, c'est les corbeaux. Attends, on a la grâce. Même si tu es dans la grâce. Le jugement est allé pour ébouler ça. Le jugement est là pour te préparer à l'enlèvement. Jusqu'à la fin. Qui nous la soupe là pour juger la terre. Et là, il viendra maintenant juger la terre. C'est pourquoi les corbeaux n'en marchent ni en soi après. C'est pourquoi il y avait les corbeaux présents dans tout le mouvement même de la terre. Il y a aussi qu'on attend le bisou de Rosalie comme le chandelier. C'est pourquoi nous, comme le chandelier, attendons la lumière. Même si nous avons la lumière. Mais toi, il y a des cendres à la lumière. Mais il faut savoir qu'il y a la cendre. Attendons la lumière. Même si tu reçois une bonne lumière, dans Exode 25, verset 38, à l'homme la mouchette, il a parlé de la mouchette qui est comme le ciseau. Et vase. Et le cendrier. Donc, à l'homme à ta lumière, les gens. Même s'il y a la lumière, ciseau, on en a rond, il y a besoin de cendre dans ta lumière. Il y aura la mouchette pour recueillir la cendre de la mèche. Attends, les chandeliers ont peur d'aller l'eau. Même si les chandeliers brûlent aujourd'hui, il y a le cendre. Et ça n'a pour tout le monde. Ça, je veux dire quoi? Il faut que vous voyez que dans l'église, tu es pour Satan. Il faut savoir que dans l'église, ils ne sont pas venus jouer. Dieu juge l'église aujourd'hui. Ça vient à ce samedi, c'est chrétien. Selon 1 Corinthiens 11, 32. Selon 1 Corinthiens 11, 32. Il faut prendre garde sur ce chemin de la foi. Linda ton frère, linda ta sœur. Aime ton bien-aimé. Pardonnez-vous réciproquement. Parce que mon foot est à mon corps. Parce qu'il n'y a qu'un seul rémunérateur. Il faut y baguer. Il faut savoir, bien-aimé. Et nos coups, Esaïe. Ce qui est à toi, Esaïe. Cela t'appartient. Place où Esaïe. La place qui t'appartient. Personne ne te la ravira. Il y a les chefs de la fête. Esalina Mokotia et Loulou. Ce qu'il a préparé pour toi t'appartient réellement. Donc toi vis vraiment l'amour du Seigneur. Vivons vraiment l'amour du Seigneur. C'était ça ma salutation. Et ça là qui va l'aider beau qui l'a gagné. Et on a le bien que la zone n'a pas mon mal qui s'en. Cela dépendra toujours des programmes des serviteurs de Dieu. Et surtout, vous gardez vie et obéissance envers vos conducteurs. Et surtout, gardez la vie de l'obéissance envers vos conducteurs. Parce que tous ceux qui ont prêché la parole, ce sont vos conducteurs. Et la union sera sautée à l'île de l'Azaliba Kabina. Selon Hébreux 13, verset 7. Voilà, nous avons cadavre et le sommet de la vie. C'est une bénédiction pour nous. Obéissez à eux et c'est une bénédiction pour toi. Que béni ma camarade et ma chacate pour la n'importe quoi dans la et pour leurs activités.
serviteurs ne prospèrent pas parce qu'ils parlent mal contre les serviteurs. Zalana. Ayez du respect pour les serviteurs qui vous servent. C'est une bénédiction pour toi. Et ça n'est pas pour nous. Que Dieu te bénisse. Ça n'est pas pour nous. Je sors encore pour aller visiter notre frère. Pardonnez-moi parce que je ne vais pas finir l'équipe pour aller voir notre frère. Qui est en colère, qui est la paix de Seigneur.